moyen de passer? Je me suis planté en géo. J'ai foutu les pays anglo-saxophones au lieu d'anglo-saxons. Et après ça, on dira que t'es pas musicienne. Fais-moi l'amour. Certains préfèrent Mozart. Mozart, c'est débile. On ne comprend pas les paroles. Ça chante en langue morte. Fais-moi l'amour. Celle-là, tu les comprends peut-être. Je pourrais bien. On reconnaît quand même qu'elle a une belle voix, Marie Laforêt. Tu permettras que je sois plus sensible à celle de la Calas. Un peu de moutarde, Cécile. Du ketchup plutôt, faut marier les couleurs. À propos, on donne 3 pornos à Pontoise. Porno ou érotique? Une couche de chaque, comme ta tartine. Tu as vérifié? Faut être de son temps, monsieur dame. Si le miel n'est pas personnel... On se fera violence pour toi. Toi, tu parles trop. On attend que toi ici. Pauline aussi préfère Mozart. Voilà, à vous. Vous avez beau avoir la même casquette, le bonheur pour lui. La disserte, ça t'a inspiré? 4 pages et des poussières. Alors, ça existe ou ça n'existe pas? En tout cas, pour moi, ça se rêve pas.
Ouais, bah attends de voir. Moi, mes vieux, c'était le bonheur fou. Et puis d'un seul coup, crac, en miettes. On se paye une crêpe? Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je t'emmène chez mon oncle. Mais faut pas cette tête là. Tu vas voir, mon oncle, c'est pas un oncle comme les autres. Si vous devez être à l'heure au lycée, il faut vous dépêcher. Ah ouais. Tu aimes le thon dans la salade? J'aime tout. Tout, un maximum. Bréa, l'île où je suis né. Quand je me suis annoncé, il n'y avait pas de docteur. Il paraît que je ne me présentais pas bien. Tu vois, ça n'a pas changé. Alors, on a hissé un grand drapeau qu'on voit du continent, mais quand le docteur est arrivé sur son bateau à moteur, eh ben, je l'avais précédé. Et pas beau à voir. Plein de varech et râlant comme le vent. Tu as peur? Pourquoi? Pourquoi te caches-tu? Je me cache? Oui, sous ce gros chandail, ces cheveux, ce pantalon sans forme. Ne l'écoutez pas, Pauline, il dit n'importe quoi. Pauline a 3 sœurs, des parents comme on n'en fait plus, elle se lave les mains avant de passer à table, on l'aborde le soir dans son lit, et elle croit au bonheur. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Pauline! Yes. Oh, si on peut plaisanter. J'ai paumé mon écharpe. On en fera une autre. Quelle couleur? Est-ce que tu trouves que je me cache? Que tu te caches? Mais de quelle façon? Physiquement, par exemple. À 17 ans. On ne sait pas encore très bien quoi faire de soi. Est-ce que tu penses que j'ai peur de la vie? C'est le lot de tout le monde, tu sais. L'essentiel, c'est d'avancer quand même. Répète. Quoi donc? Ce que tu viens de dire, là, en dernier. Avancer? Avancer. Quand même. Quand même, les chaussettes pour celles qui se lavent après. Oh, c'est pas grave, on rajoutera de la mousse. Le savon, please. Oh, attends, il a glissé. Oh, c'est chiant, les savons, alors. Pour ce que tu les fréquentes. Vous pourriez fermer la porte, hein, y a plein de vues sur ma glace. On fermera la porte quand on aura débouché le lavabo. C'est pas moi qui l'ai bouché. L'analyse des cheveux le dira. De toute façon, y a qu'à faire venir Jean-Marc. Il est malade. Il est malade? Qu'est-ce qu'il a? Tu demanderas à papa, c'est lui qui le soigne. Prendre froid avec tes cheveux mouillés. Qu'est-ce qu'il a, Jean-Marc? J'ai le droit de savoir. C'est mon ami. Viens.
Il a quelque chose de grave. Comment ça s'appelle? Une leucémie. La maladie du sang? Oui. Il va crever? Il ne faut jamais perdre espoir. Il n'a que 23 ans. Et Marie-Agnès s'attend un bébé pour Pâques. Et ça? Ça sert à quoi? Lui, c'est le Germain, chouchou de Bernadette. Et elle met ses chemises de corps dans sa mangeoire pour qu'il l'aime encore plus. Et elle dit rien à ta mère pour les chemises de corps? Qu'est-ce que tu veux dire contre l'amour? Bibi Pop, je te jure, Bibi Pop. Moi, je te dis Bibi Pelle. On parie? Qu'est-ce que vous faites là? Et qu'est-ce que c'est que ces bibi, je ne sais quoi? On répertorie les baisers, monsieur. Vous répertoriez les baisers? Oui. Ça, c'est Bibi Pop et... ça, c'est Bibi Pelle. Eh ben, ça alors? Bah ah oui, quoi! Se rouler une pelle! Vous avez à rester là planté comme des courges. Vous avez jamais été cherché par quelqu'un de la famille? Oh, la famille. Ah bah oui, de la famille. Allez. Un rhum, un coca? Merci. J'étais sûr qu'il y avait un arbre de Noël chez toi. Quand j'étais petit, il y en avait chez tous les copains. Pas chez vous? Chez moi, il y avait ma tante. La tante Rose. Je l'appelais à tante Ross, c'est tout dire. Et vos parents? Oh. Maintenant, c'est un rhum coca. Ça fait perdre la tête. Pour l'autre soir, je te demande pardon. Mais j'ai passé mon enfance à emmerder les enfants heureux en famille. Alors, quand je t'ai vu arriver avec ton air bien sage, bien gentil, le vieux réflexe est éveillé. Parle-moi de la Marette. Y a rien de spécial à la Marette. Il y a des gants tricotés maison. Des gants à courant d'air. C'est l'accélérateur de ma mob. Vous avez pour amis que des révoltés comme moi. Des chiens perdus. Veux-tu que nous soyons amis? J'ai envie de changer. Ce sera... comme prendre la main du passé. Alors, bonjour Pauline. Ce qu'il y a, c'est que ça vous emmerde que je me sois attachée à ce cheval. Et puis ça vous emmerde que les gens demandent à se promener avec moi. Et ça vous emmerde que je réussisse. Et vous faites ça pour m'emmerder.
Quand un cheval est plus bon à rien, on lui offre pas une maison de retraite. En tout cas, moi, j'ai pas les moyens. Mon Germain, bon à rien ? Bien content de le trouver pour charrier les vieilles peaux. J'ai besoin du box pour son remplaçant. Et lui ? Comme les autres. Ça, jamais. Alors, je vois qu'une solution. Tu me donnes ce que le boucher m'a proposé. Et comment voulez-vous que je trouve le fric avec ce que vous me payez ? J'ai jamais obligé personne à rester. Si t'es pas contente... Le remplaçant arrive dans 15 jours, faudra te décider avant. J'ai besoin de 2000 balles, tout de suite. T'es enceinte ? Boucle-la. Pourquoi as-tu besoin de cette somme ? Pour acheter Germain. Crève-cœur est un salaud de phallocrate. Qu'est-ce que c'est un phallocrate ? Un mec qui, parce qu'il a quelque chose entre les jambes, se croit le roi. Alors dans ma classe, sauf Nicolas, tous les mecs sont des phallocrates. Cécile. Que s'est-il passé ? Il paraît que Germain est un point pour la boucherie. Si on le rachète pas, dans 3 semaines, il finira en steak haché ou en viande à chat. Alors, on a le fric ou on l'a pas ? Et après ? Après ? Après l'avoir acheté, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on le met dans le jardin, on monte dessus, on rigole bien, et puis on l'aime. Et la nuit, il dort où ? Dans le garage. Et c'est toi qui fais démarrer ma voiture le matin, qui paie le fourrage, la nourriture, les soins, qui lui loue un champ ? Alors, c'est non ? Les 2000 francs que me réclame Bernadette et ce que Germain nous coûtera chaque mois seront un jour peut-être très utiles à la femme de Jean-Marc. Et on peut pas faire les deux. Alors merde ! Merde au phallocrate ! Mais je m'en fous, je demanderai à Nicolas. Je suis sûre qu'il aurait une idée. Oh, c'en est trop, s'écria le comte. Je suis dans ma maison, vous êtes ma femme. Et dû l'enfer vous venir en aide, cette nuit même vous serez à moi. Toi, t'as intérêt à guérir vite, hein ? Le lavabo est bouché, la douche arrose le plafond, et puis j'ai plus personne pour m'apprendre à siffler. Bonjour Cécile. Bonjour Marie-Agnès. Justement, j'avais quelque chose à vous demander. Regarde! Alors ? Oh, Pierre ! C'est bon, les crêpes à l'hiver ? Tiens, goûte ! Ça te brûle pas ? Finalement, c'est des crêpes à Noël. Eh oui ! Noël, c'est aussi plein d'étoiles comme ça ? Attendez-moi. Tiens, au fait, je t'ai pas dit, je pars faire du ski avec Brigitte. Puis on emmène Angèle. Qui est Angèle ? Bah, la fille de Pierre et de Brigitte. Tu ne m'avais pas dit qu'ils étaient mariés ? Bah, pourquoi ils le seraient ? C'est bien mieux comme ça. Comme ça, ils se rechoisissent tout le temps. Ils s'adorent, tu sais. Joyeux Noël ! Oh ! Merci. Clown. C'est la mode ample. Pierre te prêtera des boîtes. Et toi, pas de ski ? Pas cette année. Question de budget. Tu es douée ? Je mets 3 étoiles. T'es 4. 1, 2, 3. C'est bien ce que je pensais. 3 tours. Ça t'arrive de l'enlever pour dormir ? Il te plaît ? C'est le seul où il y a une maison.
Je sais pas pourquoi, mais les maisons s'envolent quand je les peins. J'ai pensé à toi. Tu me manquais. C'était merveilleux. Où tu l'as trouvé? C'est un ami qui me l'a donné. Il s'appelle Pierre. Mais allez, vas-y, prends-le, ça mord pas. Maintenant, lèche tes doigts et t'es morte. C'est malin. Ah, mais fais attention, tu vas me l'abîmer. C'est une amanite. Une seule bouchée et flac. Je l'ai trouvé avec Nicolas. Et c'est ton Nicolas qui t'a donné l'idée de collectionner les champignons mortels? Oh, on l'a eu en même temps. Les comestibles, c'est pas drôle, tout le monde les fait. Même sec, ils gardent leurs propriétés. Et après? Bah, après, on voit. De mieux en mieux. Je te préviens que ça ne peut plus durer comme oh, ça. On dirait que ça chauffe du côté de la princesse. Voilà tout ce que tu sais faire. Vider mes bombes pour te raser les jambes. Et tu ne nettoies même pas mon rasoir après, bien sûr. Mais tu ne vas quand même pas rester dans ton lit toute ta vie. Maman travaillait pas avant de se marier, que je sache. Son père était malade, et elle le soignait. Ben mieux vaut un père malade qu'un père médecin. Écoute-moi bien. Ou tu reprends tes études, ou tu te trouves un travail, ou je t'inscris à une école de secrétariat, je te donne jusqu'après les fêtes. Et débrouille-toi pour me remplacer cette bombe. Les renseignements généraux. Même, ça va leur faire un choc. Je me demande si on n'aurait pas dû les prévenir. T'en fais pas, puisque grosso modo, c'est une bonne surprise. Ben voilà, c'est la petite qui nous a demandé de vous prévenir. Mais elle n'est pas dans sa chambre? Ben si, je croyais. Grosso modo, elle nous a dit à 9h25, pas avant, pas après. Vous leur direz d'allumer la télé, TF1. Oui, c'est une émission concours, des notes et des chants. Elle est tout le temps pendue après. D'ailleurs, il y a des spectateurs. Ah ben, je commence à comprendre pourquoi elle a pris son bain de l'année. Elle a dû se faire inviter. Son manteau n'est plus là, mais il y a ses bottes et ses chaussures. Vous voulez donc dire qu'elle est à Paris, à 9h30 du soir, toute seule, en chaussettes? Non, pas toute seule. Il y a Nicolas avec elle, paraît-il. Ah, Nicolas. Toujours ce Nicolas. C'est quand même curieux, ça. Dès qu'il y a une bêtise à faire, Nicolas. Appelle chez lui. Ben, c'est que je connais même pas son nom de famille. Nicolas, on ne l'a jamais vu. Et tu la laisses se promener à Paris, en pleine nuit, avec un garçon que tu n'as jamais vu? Eh ben, chapeau. Bon, j'y vais. Mais où ça? Comment où ça? Ben, à la télé. Merci. On ne te laissera pas entrer. Je vous en prie. C'est commencé. Ce n'est pas moi qu'il faut applaudir, mais les trois candidats de TF1. Eh bien, je vais vous les présenter tout de suite. Tout d'abord, Mademoiselle Josette. Mademoiselle Josette Pinault. Vous permettez que je vous appelle Josette? Oui. Bien sûr. Elle est couturière. Elle est couturière et on m'a dit qu'en tirant l'aiguille, elle chantait toutes les chansons. Elle connaît toutes les chansons, surtout les chansons d'amour, n'est-ce pas? Oui, surtout les chansons d'amour. Et puis, elle est opposée à Monsieur Roland, Monsieur André Roland, qui lui est coursier et il a un casque là-dedans pour écouter des... Si au moins on savait à quoi ressemble son Nicolas. Complètement la chanson. Cécile est là. À la veille de Noël, nous avons voulu faire une très large place aux enfants. Bon, Cécile est là et en chanson, elle n'est pas une enfant, vous elle le dire avant. Toute la chanson. Oh, elle m'a piqué mon corsage neuf. La direction de TF1 m'a dit que sa maman avait donné son accord, alors tout est bien, tout est merveilleux. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Étudiante. Tu étudies quoi? Baccalauréat sans latin, ça n'a d'ailleurs pas été facile avec mon père. Je vous rappelle le règlement. Il est d'ailleurs très simple. Vous allez entendre des extraits de 30 secondes des chansons que vous avez tirées au sort. Et vous devez me répondre en 15 secondes à 3 questions. Première question, le titre de la chanson. Deuxième question, l'interprète qui a créé la chanson. Et troisième réponse, la date. Eh bien maintenant, Josette, honneur au beau sexe, nous allons commencer par vous si vous le voulez bien. Vous êtes prête?
Chef, j'ai vu que la chanson, c'était le 3. Ça commence comme un rêve d'enfant. On croit que c'est dimanche et que c'est le printemps. Toi et moi, on s'en va regarder le soleil sous les branches et puis parler de toi. Josette, 15 secondes. Ça commence comme un rêve d'enfant. Pour vous, certainement. Julien Clerc, 1979. Bravo! André, l'accélération. Ouais. Prêt? J'écoute la musique sous la roulée par terre. C'est un nightclub. On a filé la télé, on s'est permis de venir vous féliciter. Merci. Asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous. C'est Musique Soul, Françoise Hardy, bravo. 1978. Ça va tout seul, bravo, bravo, ils sont formidables. Ils sont extraordinaires. Oui, c'est la veille de Noël et maintenant, Cécile, c'est à toi, tu es prête? Coucou doux, et tout va bien tout à coup. Hey, coucou doux, c'est mon passe-partout. Nom d'une pendule, il est 8 heures. Même pas le temps d'une biscotte beurre. Je suis en retard, et le ciel a le cafard. Nom d'un express que je prendrai pas. Mon omnibus s'en va sans moi. Monsieur Louis va me reparler du pays. Coudou, Vava, 1979. Bravo, elle a même pas besoin d'un petit. Bravo. Maintenant, Josette, prête pour la deuxième chanson? Quand j'ai vu votre fille, docteur, ça a été comme si c'était moi. Merci, c'est gentil. Oui, c'est bien elle. Mais bien sûr, on était au courant. On t'embrasse quand même. Vos trois réponses. Oh, je cours tout seul. William Scheller, 1979. Bravo, exact. André, prêt? Prêt. Elle était maquillée comme une star de ciné, accoudée au jukebox. Elle rêvait qu'elle posait juste pour un bout d'essai à la Century Fox. Ah, ah. La fille à la couleur mentalo. Mais il y a de la menthe, hein. Bon. Mais c'est Eddie Mitchell. Eddie Mitchell, exact. L'année 1979. Hélas, non. 79 Inexact. Vraiment, votre réponse est totalement fausse. J'en suis désolé. André, je suis désolé, vous êtes éliminé. Cécile, tu peux donner la réponse? Oui. Couleur mentalo, Eddie Mitchell, 1980. Bravo, elle ne réfléchit même pas. Bravo. Mais je t'en prie, ne gaspille pas tes forces, parce que ça va être maintenant à toi de répondre. Je suis branché sur un réseau de symphonie, sur la musique que les gens écoutent par ici. Je ne peux pas dire que ça m'éloigne de mes soucis. Oh, 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 changer la chaîne. Oh, 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 que je comprenne. Video killed the radio star. Video killed the radio star. Video killed. Cécile, 15 secondes, 3 réponses. Video killed radio star. En anglais. Bravo, en français. Le grand corbeau noir, Ringo, 1979. Bravo. Bien, Josette,
Maintenant, c'est la troisième et dernière chanson, c'est le sprint. Prête? Tout va changer. Sous un torrent d'étoiles, demain il fera beau. Josette, oula, ça va pas? Je sais. Demain il fera beau? Sous une pluie d'étoiles. Sous une pluie d'étoiles. Jairo. Jairo. 1976. Tout est faux, Cécile, tu sais, toi? Ça ne compte pas, hein? C'est... Tout va changer? Tout va changer de Michel... Fugain. Oui, mais c'est pas pour toi, ça. 1973. Elle sait la date, en plus. C'est merveilleux, bravo. Ah, je me demande bien où elle a appris tout ça. Ça ne comptait pas. Une véritable discothèque ambulante, hein. Eh bien, tu es prête pour ta chanson à toi, maintenant? Oui. Musique. Loin de toi, je me demande... Cécile, trois réponses. Elle va quand même pas flancher maintenant, elle a déjà répondu trois fois. Oula. Vanina. Vanina, bravo. De Dave. Dave, l'année. 1900... Oui, 1900. 74. 74, bravo. Bravo d'offrir un premier compliment. Tu mérites un applaudissement. Viens, approche. Viens là sur le défend de la scène. Tu sais, je suis sûr que tu sais, Cécile, qu'en cette veille de fête, tu peux faire un vœu. Car TF1, si TF1 le peut, TF1 exaucera ce vœu. Tu as un vœu? Oui, je le sais. D'ailleurs, je suis venue au risque de me faire étriper par mon père. Ah bon? Qu'est-ce qu'il fait, ton père? Médecin conventionné. Un médecin conventionné. Docteur. Si vous nous suivez, si vous nous entendez, je vous demande toute votre indulgence pour une fille aussi douée. Il m'a entendu. Alors, tu peux dire ton vœu. Tu veux pas le dire? La vie de Germain. Le cheval de ma sœur. Le cheval de ta sœur? Oui. Explique-toi. Ben voilà, c'est parce que si on ne trouve pas 2000 francs et un champ... Et pour le garer, eh ben, il est cuit. C'est le cas de le dire. Cuit, haché, mis en boîte pour chat. Mais qui va faire une telle horreur? Ben, c'est le patron de ma sœur. Un phallocrate de première. Ben, écoute, Cécile. Je le prends sur moi. Je ne sais pas si TF1 me suivra. Les 2000 francs, c'est acquis. Mais ce n'est pas suffisant, je vous en conjure. Ce n'est pas suffisant, il faut plus. Alors je vais faire un appel à tous les téléspectateurs qui regardent l'émission en ce moment, à spectateurs de la salle qui sont très nombreux. S'il y en a un parmi eux qui a un champ près de Pontoise, hein? Oui. Près de Pontoise. Un champ près de Pontoise. Alors je le dis, je l'affirme au nom de TF1 toujours, TF1 me suivra. Un an de pension en plus. Oh, oui. Joyeux Noël, c'est tout. Bonne année. Bonne année. Elle est jolie, votre robe. On dirait une pionnière américaine. Attention à l'attaque des Indiens. Ça ne se regarde pas, ça se fait. À minuit, pas de pitié.
sais pas pourquoi, mais les maisons s'envolent quand je les peins. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas fini? Si. Tu es belle. Et d'où viens-tu? Un réveillon. Et t'as pas attendu minuit? Ils s'amusaient tous comme des fous. Et moi? Tu étais seule. Oh, tu sais, les fêtes, c'est parfois terriblement triste. Pourtant, j'ai bu. Eh ben. Chez mon ami aussi, il y avait la mer. Mais j'aime mieux celle-là. Je suis avec lui pour me souhaiter la bonne année. Ça s'est bien passé? Moyen. Les garçons? Sympathiques? Trop jeunes. Ton âge, quoi? 17-18 ans? J'ai 20 ans de plus qu'eux. Ne vieillis quand même pas trop vite, ma chérie. Quand on vous traite comme une gamine, on a envie de vieillir, c'est forcé. On te traite comme une gamine? Ça arrive. Bon, je crois que ça va aller. Attention de ne pas te piquer, hein, tiens. Je voudrais que tu passes ce chemisier. Il t'allait encore à merveille l'année dernière, mais... Bah, tu vois, entre l'année dernière et aujourd'hui... Une femme est née. Il ira très bien, Cécile.
22 minutes entre le hall et ici. Enfin, personne m'a vu. Ça va? Ça va. Tiens, je t'ai apporté un cadeau. Et encore, t'as vu que le hors-d'œuvre? Éteint. J'espère que Marie-Agnès n'y verra pas d'inconvénient. Bon, et maintenant, passons aux choses sérieuses. La lecture. On l'a rencontrée par la ville, dans les greniers, dans les caves. Quelle température a-t-elle? Bien, je vais essayer d'attraper un train dans la matinée. Non, non, je m'inquiète pas, mais je préfère être là. D'accord. Grand-mère est malade? Une mauvaise grippe. Si elle meurt, tu pleureras? Je pourrais manquer l'école pour aller à l'enterrement? Allez. Il ne faut pas lui en vouloir. Tu sais, pour Jean-Marc, ça ne va pas du tout. Et toi? Tout va? Tout va. Mais reviens vite. Le cœur aspire le sang des veines caves et pulmonaires. Les alors, c'était comment le ski? Formidable. À part quand j'ai chopé les oreillons. Brigitte a dû rester là-bas avec elle. Et toi, ce réveillon? La contraction puissante. Pas mal. Je te raconterai. Dissection. Les épingles vous serviront à mettre le cœur à plat afin de pouvoir inventorier puis dessiner chaque partie. À toi l'honneur. Non, je peux pas. Tu te rends compte de mettre un cœur à plat? Les cœurs, c'est fait pour être brisés. Marie-Agnès a décidé de se faire plombière. À Bacou, sans frais confit. Que veux-tu dire? As-tu des cours du soir pour remplacer Jean-Marc? Faut pas qu'il sache, hein? C'est pas tellement un métier de femme. Et c'est quoi un métier de femme? Torcher les gosses? Faire le pli au pantalon de ces messieurs les papes? Entre Stéphane et toi, je me demande bien qui est le pape. En tout cas, pour Marie-Agnès, je vois pas pourquoi elle réussirait pas. C'est elle qui a fait la fausse sceptique des grosso modo avec Jean-Marc et il paraît qu'elle est super. Ça doit être maman. Allô? Tu as pensé à ce cours de secrétariat? Quittez pas. Pour toi, Pauline. Un mec qui s'appelle Pierre. Bien. Écoute. Depuis l'autre soir, j'arrive à rien faire. Ma mère est en panne. Non, j'ai trop besoin de te voir. Quand? Demain. Entre. Enlève ton duffelcoat, j'ai fait du café. Avec. J'avais deviné. La seule chose qui vaille le coup sur cette table, c'est le poème que tu m'as envoyé. Promets-moi une chose. Continue à écrire. Ça? C'est ta fille? Angèle. Elle se plaint qu'à l'école, on l'appelle Satanelle, comme Satan.
Tu veux que je te dise? Je n'ai jamais fait une telle peur à quelqu'un. Que j'étais hésité à t'appeler. Un jour, je suis tombé amoureux d'une écharpe. Et au bout de cette écharpe, c'était si longue, qu'on pouvait faire trois tours autour du cou. Il y avait toi. Bernadette vient de l'appeler, il arrive. Elle a laissé son testament. Son testament? Elle me lève son pick-up, ses savons à Pauline, sa chambre à Bernadette. Faudrait peut-être se remuer, non? Eh bien oui, on va se remuer, oui. Alors vous n'avez aucune idée de l'endroit où elle a pu aller? Si maman téléphone, on lui dit? Ah, ça surtout pas. Sinon, t'auras affaire à moi. Ne vous en faites pas, je me débrouillerai. Ah, mais comment? Avec quel argent? Sous quel toit? Bernadette, tu as son carnet d'adresse? Elle va téléphoner à ses amis. Et après? Et comment ça, après? Oui, quand elle est là. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on lui dit? Eh ben parce moi, que moi, je te préviens, je lui fiche la paix. Je tire un trait sur les ultimatums. Sinon, c'est pas la peine de la retrouver. Eh ben, retrouvons-la! Et vite! De toute façon, si vous la voyez, vous ne lui dites rien. Mais vous nous prévenez. À n'importe quelle heure. Merci. Oh, merde! Je vais en parler à Nicolas. Tu vas me faire le plaisir de laisser ton Nicolas en dehors de cette histoire, tu m'as compris? Je croyais qu'il devait partir en Amérique. Tu crois que c'est un voyage qui se décide comme ça? J'ai pas refermé la porte pour te voir plus vite. Tu m'as tellement manqué. Tu as des nouvelles de ta sœur ?
Non, rien. Maman rentre demain. Elle va être furieuse qu'on ne lui ait pas dit. Tu sais quelque chose? Tu me plais. Oui, mon amour. Respirez. Respirez bien à fond. Je vous prie de m'excuser. Oui. Allô? Bernadette? Ah, bah, tu me rassures. Merci. Veux-tu que j'aille la chercher? Bon. Bon, d'accord. Entendu. Alors, docteur? Alors, tout va bien. Tout va très, très, très bien. On a joué. Secret des contre-jours, on cachait nos premières amours, comme nos premières cigarettes. Aidez-moi à sortir des jeux d'enfance, à me passer de mon passé, à partir parmi les blasés, en conservant mon innocence. Aidez-moi, aidez-moi à quitter. De rencontrer ma vie.